Good morgen, allez, Yiden, les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Doveni Yudit et Viatar, Amram Ben Chedva. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shabbat, Perikhe, Mishnah Dalet. En Chamor Yotse Bemardat, Bizman She'en Akshura Lo, Velo Bezug Afalpi Shehu Pakuk, Velo Besolam Shebet Savaro, Velo Birtsu'a Sheberaglo, Ven Atan Negolim Yotzin Bechutin, Velo Birtsu'a Sheberaglehen, ואין הזכרים יוצאים בעגלה שתחת העלייה שלהן, ואין הרחילים יוצאות חנונות, ואין הגל יוצא בגימון, ולא פרה באור הקופר, ולא ברצועה שבין קרניה. פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאה ברצועה שבין קרניה, של ברזון חכמים. דניאל נמשנה דו פרק, כי נופל דה שוז, דה וטמן אותי, כלום פה אקרושה סיור לזנימו, pour qu'ils sortent pendant Shabbat. D'accord? On avait expliqué de manière générale que ce qui est considéré comme un vêtement, comme sa manière d'être, eh ben on peut sortir avec Shabbat, autant qu'on a le droit de sortir habillé, et même avec une cravate, alors que ce n'est pas indispensable pour être bien couvert, parce que tout ça, c'est ce qui compose l'habillement d'un homme. Idem pour les animaux, avec des définitions un petit peu plus nuancées, plus subtiles. Je vais expliquer que tellement subtiles que moi, je ne m'y retrouve pas. C'est dur de trouver la généralité exactement, le fil directeur de tous. Là, de nouveau, on a une Mishnah qui est assez floue, qui n'a pas tellement été expliquée non plus, de nouveau. Ou, de manière générale, l'axiome général, il est clair. Ce qui consiste à garder, préserver de manière normale, classique, un animal, c'est permis de le faire sortir avec pendant Shabbat. Et ce qui est de l'extra, ou ce qui est même pas assez, eh bien, c'est considéré comme un masoï, comme une charge. C'est-à-dire, tout ce qui est nécessaire pour l'animal, ce qui est vital pour l'animal, mais même pas pour l'animal lui-même, même si pour le propriétaire, c'est vital. L'animal, lui, s'en moquait. Comme par exemple, on avait vu dans la mission précédente, mettre un manteau sur un petit manteau pour protéger la laine des brebis. Ouais, l'animal, lui, il n'a rien à faire. Est-ce qu'on va lui tondre la laine ou pas pour en faire des beaux vêtements? Malgré tout, puisque c'est mon bien, alors j'ai le droit aussi de le protéger de manière classique. Et c'est considéré comme un vêtement. Et sur ça, on avait appris toutes sortes de situations avec favoriser l'accouplement, ou au contraire, ne pas favoriser l'accouplement. Toutes sortes de choses qu'on a dans la Mishnah précédente. De nouveau, on a une Mishnah où la généralité, elle est plus ou moins claire, mais concrètement, ça va être difficile de définir pourquoi spécifiquement ça, oui, ça, non. On commence à traduire directement. En chamor yotse bemardat bizman shena kshuralo. L'âne ne sortira pas bemardat. Mardat, c'est la selle. Plutôt la couverture qu'on met sous la selle, bisman shenakshuralo, si jamais elle n'est pas bien attachée. On avait expliqué ça dans la Mishnah bête, c'est assez facile ça à comprendre. De manière générale, l'âne a toujours froid. Chamor afilubit kuvat tamuz, karir ale, la Gemara dit. Même en tamuz, au mois de juillet, eh bien il a froid l'âne. Donc on peut toujours le faire sortir avec la couverture, même avec la selle, puisque ça consiste à lui produire, à lui réchauffer son corps. Néanmoins, la Mishnah nous dit attention, c'est à condition qu'elle soit attachée, mais si elle n'est pas attachée, et plus précisément si elle n'a pas été attachée depuis avant Shabbat, alors l'âne ne pourra pas sortir avec cette selle dans le Rishet Rabim, dans la voie publique. Pour quelle raison? Parce que si elle n'a pas été attachée, alors on craint qu'elle va machinalement tomber et qu'on va la ramasser quand on va marcher à côté d'elle. C'est-à-dire en fait, intrinsèquement par rapport à l'animal lui-même, il n'y a aucun problème. De lui mettre un vêtement qui lui procure de la chaleur, c'est permis sans problème. Notre seul souci, c'est que ça tombe et que tu vas le ramasser, le temps que tu vas rattraper l'animal, tu vas marcher 4 amot dans le chute rabim, tu rends ça interdit de la Torah. Ok. Deuxième chose, c'est Velo Bezug Afalpi Choupakouk. Il ne fera pas sortir avec une cloche, et même s'il est Pakouk. Même si on l'a bien. Pakouk, c'est qu'on a étouffé le son, on a enveloppé en fait le. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Qui est dans la cloche, qui tape, et bien la langue peut-être, en hébreu c'est le zoug justement, c'est le, ouais. Et donc on pourra plus, même si on a été pokek, même si on a étouffé le son pour ne pas que ça fasse du bruit, malgré tout, c'est interdit, pour quelle raison? C'est un interdit midrabanan, parce que de la sorte, tu alertes que tu vas aller le vendre sur le marché.
C'est la manière de le vendre, l'âne. On l'embellit, on l'habille bien. Et de ce fait, tu as l'air de. Tu es comparable à celui qui va partir le vendre. On ne veut pas qu'on te soupçonne de le vendre pendant Shabbat. Ensuite, Velo Besoulam Shebet Sabar. Littéralement, tu ne lui mettras pas une échelle autour de son cou. C'est de quoi on parle. Alors là, c'est là où ça va devenir un petit peu plus compliqué à définir exactement. Le principe, il est que lorsque l'âne, il a une plaie, imaginez qu'il a une plaie sur son dos, par exemple. Il peut machinalement tourner sa tête et gratter, frotter dessus. Or, plus il va frotter, plus ça va abîmer et faire que la plaie ne va pas se refermer. Donc en fait, l'usage, il était de lui mettre un soulam, c'est-à-dire en lui mettant en fait un cadre de bois, qui pouvait ressembler à une échelle, autour du cou, de manière à ce qu'il puisse plus tourner la tête. Donc là, il y a un problème technique. C'est qu'il s'avère que finalement, c'est pour son bien-être personnel de l'âne qu'on lui met ça. Pourquoi lui interdire de sortir pendant Shabbat? Vous allez me dire quoi? Peut-être que ça va tomber, qu'il va le ramasser, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Si c'est bien fixé, il n'y a pas de raison que ça tombe. Et de nouveau, les méfarchim n'ont presque pas parlé, si ce n'est le fait qu'on a un petit mot du Tiferet Israël à la fin sur un autre cas, qu'apparemment ça se rapporte sur tous. Je vous expliquerai ensuite. Velo Birtsoa chez Berglo, il ne mettra pas non plus une lanière sur ses pieds. En fait, c'est que l'âne, ça peut lui arriver qu'à un moment il commence à vieillir et il se cogne les genoux. Pour ne pas qu'il se cogne les genoux, qu'est-ce qu'on lui fait? Eh bien, on lui mettait des. On l'enveloppait le pied, les pieds avec des lanières, de manière à ce que même s'il se cogne, il se fait tout de suite arrêter avec l'épaisseur des cordes. Et comme ça, il ne se cogne plus les pieds et il ne se défend plus les pieds, il ne reste plus de se les casser. De nouveau, vous constatez que quoi? Tu m'interdis, mais il n'y a pas de raison pourquoi tu m'interdis. C'est pour le bien-être de l'âne. Pourquoi lui interdire? C'est difficile à comprendre. Ven, attendez, et les méfarchés n'expliquent pas à mon grand regret. Ven, attendez, golin, yotin, bechoutin, ou le birsotu, anglais. Ven, azharim, yotin, ba'agala, shetachat, alia, shelen. Alors, azahar, ça je voulais vous dire aussi, on l'a vu dans la mission précédente, mais zahar, de manière générale, le haïl, le bélier, il s'appelle le zahar aussi. D'accord? Ven, azharim, les béliers ne sortiront pas avec une agala. Alors, littéralement, avec une petite, un petit chariot, chez Tachat Aliyah Shelaen, qui se trouve sous leur Aliyah. La Aliyah, c'est la queue du mouton. C'est un morceau de viande excellent, ce qui paraît, chez ceux qui aiment le mouton, et ceux qui ont l'habitude de manger du mouton même. Et du coup, pour la protéger, qu'elle ne se fasse pas écorcher lorsqu'elle marche, parce que ça, c'est une tendance à tomber, alors, on avait l'usage de lui accrocher un petit truc en dessous, je sais pas, une sorte de petit coussin où il y avait même des petits trous apparemment. Et puis ça, la Mishnah nous dit, ben, tu n'auras pas le droit de protéger de la sorte l'animal pendant Shabbat. Maintenant, pour celui-ci, on peut à la limite comprendre pourquoi c'est interdit, parce que finalement, c'est pas pour le bien-être de l'animal, et c'est une protection un petit peu extra. Mais le reste, c'est difficile de comprendre en quoi c'est d'extra. Ensuite, Venarechelim Yotsot Hanunot, et les brebis ne sortiront pas Hanunot. Hanunot, c'est avec un arbre. Un morceau de bois qui s'appelle Hanoun qu'on lui mettait sous le nez, sous le museau. Le nez, je ne sais pas comment on dit chez les moutons, j'imagine des museaux. Et on lui mettait, et concrètement ça se passe comme ça, il y a une sorte de verre qui pouvait devenir sur la tête, et pour faire tomber ces verres, il fallait la faire éternuer. Eh bien on lui mettait du Hanoun, c'est un bois spécial qui fait éternuer, et comme ça elle pouvait éternuer, et comme ça ça faisait tomber les verres. Et bien la Mishnah dit, tu n'auras pas le droit de faire ça pendant Shabbat. D'accord? Pour les mâles, il n'y a pas aucune nécessité à le faire, de toute façon, parce que la Gemara explique que les mâles, ils se cognent, ils ont des cornes, donc entre eux, ils aiment se chamailler, comme ça, et avec leurs cornes, donc ils tuent ces petits vers. Mais pour les femelles qui n'ont pas des cornes, eh bien, ça, alors, il fallait faire ce système et le faire éternuer. Et de nouveau, c'est interdit pendant Shabbat. Sur ça, le Tiferet Israël nous rapporte que. On a une question, donc, qu'on traîne. C'est pour le bien-être de l'animal, pourquoi interdire? C'est un super... autant que je peux, j'ai le droit de sortir avec un pansement, s'il a une plaie, on a le droit de lui mettre un pansement dessus. Alors, de nouveau, il souffre d'une quelconque raison. D'une quelconque raison, pourquoi lui interdire? De dire que... On pourrait toujours répondre que finalement, non, on craint que ça va tomber. Mais c'est pas précisé, c'est un peu désagréable à dire. Du coup, le Tiferet Israël rapporte, propose qu'en fait, non. C'est que c'est pas tellement vital et tellement nécessaire pour le guerrier. C'est un petit extra qui sert un peu à rien. Qui n'est pas indispensable. Donc du coup, ça devient comme un soi, ça s'appelle une chemira, etc. Et on continue avec Ven, à Egel, Yotse, Begimon. Et le veau ne sortira pas avec un gimon. Une petite charge qu'on lui mettait sur l'épaule. D'ailleurs, c'est une
une leçon de moussard extraordinaire d'ailleurs, que pour pouvoir porter le joug lorsqu'on est grand, il faut commencer à porter le joug depuis qu'on est tout petit. Et qui vient de naître le jour, on lui met quelque chose sur le dos, comme ça il marche avec. Qu'il ait l'habitude à baisser la tête et à porter tranquillement. Grande leçon de moussard et d'éducation. Ouais. Quelqu'un qui va se mettre à laisser son fils, il va commencer à lui apprendre quelque chose lorsqu'il aura 8 ans ou 9 ans et qu'il va le laisser gambader et être un petit sauvage à la maison, il y a peu de chances qu'il va supporter. Alors que si depuis qu'il est tout petit, tu l'habitues à apprendre et à s'asseoir et à faire des choses, et à lui demander des choses, à le solliciter pour le faire partager dans la maison, alors il y a des fortes chances que quand il sera grand, il continuera. D'accord ? Idem avec le joug qu'on met avec au petit veau, sur le petit veau, depuis qu'il est né, même s'il n'a pas de force, on lui met un petit joug qui s'habitue à avoir la tête baissée et à porter et à supporter. Ensuite, velo para be ora kupar. On ne fera pas sortir la vache non plus avec be ora kupar. Ora kupar ou ora kipod. C'est le même principe. Est-ce qu'il y a un autre avis qui dit que ça s'appelle kipod? C'est pas écrit. Une petite seconde, parce que je crois que j'ai déjà vu ora kupad. Exactement. Il y a un autre girsa qui nous dit or a kupad. L'or a kupar, ben c'est le même principe. Si c'est kupad, c'est kipod, c'est un hérisson. Le hérisson, il a bien sûr des piques, et ça pique et ça fait mal. Pour ne pas qu'il y ait toutes sortes de rampants, de rongeurs qui vont venir boire du lait des mamelles de la vache, alors il y avait une technique de prendre une peau d'hérisson, on lui accrochait sur la mamelle comme ça, ici, il vient, il s'écorche le museau, il se corche le nez et la bouche, le petit rongeur. Donc du coup, on lui mettait un ora kipod, une peau de hérisson, et la Mishnah nous dit, tu ne pourras pas le faire sortir avec ça pendant Shabbat, ça c'est précisé, de peur que ça va tomber et que tu vas le ramasser. Qui me l'a dit? Je ne sais plus qui me l'a dit, c'est plus précisé, je ne sais pas où ce que c'était, mais je suis quasiment sûr que je l'ai lu. Bon, c'est pas grave, on continue de toute façon. Lo birtsua shben karnea. Et donc la parane, on a dit la vache ne sortira pas avec cette peau de hérisson sur les mamelles, et pas non plus avec Beretsua, avec la corde, la ficelle, chez Ben Carnea, d'entre ses cornes. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une petite discussion d'ailleurs, entre Rav et Shmuel, et le Barthénois, il rapporte comme Shmuel. Ben Lenoï, Ben Ishmor Asso. Il y a deux choses. Tout d'abord, il y a des animaux, la vache, elle est docile, elle est gentille, elle ne fait pas de mal à personne. En théorie, il n'y a pas besoin de l'accrocher une laisse. On avait déjà appris que la vache ne sort pas avec une laisse pendant Shabbat. On avait appris dans Mishnah, dans la Gemara, c'est précisé. Maintenant, il y a la Gemara. La Mishnah maintenant nous enseigne, sache que malgré tout, il y avait certaines personnes que des fois, ils avaient peut-être une vache, avoir une tendance à être un peu excitée. Pour bien la dominer, pour bien la gérer, il accrochait une corde entre les cornes. Et que si la vache commençait à partir un peu de travers, il l'attrapait par là-bas et il la retirait. D'accord? Donc il s'avère que maintenant c'est pour une netiruta, c'est pour la garder, pour la préserver. Seulement c'est quelque chose d'extra, de nouveau, c'était pas nécessaire, c'est pas indispensable du tout, donc du coup c'est considéré comme un massoy. Première interprétation. Deuxième interprétation, c'est selon Rav aussi, que cette fois-ci on parle d'une retsua, qu'on va lui mettre une ficelle de décoration pour pouvoir la reconnaître. Et malgré tout, c'est interdit. D'accord? J'ai sauté dans la Mishnah, excusez-moi. J'avais sauté aussi, velu dans sa j'ai sauté une phrase. On avait aussi, autant qu'on avait dit, excuse-moi, je reviens en arrière, maintenant que j'ai lu ça, ça m'a rappelé que ça a déjà été évoqué. Il y avait une phrase avant. Benatar regolim yotzin bechutin, velo birsot shibaraglen. Les volailles, les poulets, ne sortiront pas avec, ne pourront pas sortir non plus avec des choutim, avec des ficelles. De l'eau birtsuot et des cornes chez Berglen dans leurs pieds. Deux interprétations, qu'est-ce qu'on fait avec ces cornes? Une, c'est pour les reconnaître, on leur accrocher des cornes de couleur pour pouvoir les reconnaître. Et deuxième interprétation, c'est qu'en fait, non, pour ne pas qu'ils sautent et qu'ils cassent les ustensiles, on leur accrocher les pieds de manière à ce qu'ils ne peuvent pas bondir trop haut. Alors, en rapport avec la première interprétation, on a dit qu'ils ne pourront pas sortir avec les choutim, avec les fils qui consistent à pouvoir les reconnaître. La Mishnah, il y a de nouveau là sur l'histoire avec la vache. L'eau birtsua chez Ben Karnia, on ne pourra pas la faire sortir non plus de la vache avec la corde entre les cornes, pour si on la met pour la reconnaître, ce sera interdit. Ok? Parato chez Rabbi Lazar ben Azaria, Aïta yotza birtsua chez Ben Karnia, la vache de Rabbi Lazar ben Azaria sortait dans la rue, dans le Rishut Rabim, avec une corde ou une lanière entre ses cornes,
peu importe si c'était pour la surveiller ou si c'était en décoration. Shalom birson chachamim, mais c'était pas avec l'accord, l'aval de chachamim. C'est-à-dire, en fait, la mission nous dit, Rabbi Elazar ben Azaria avait une vache que chachamim n'était pas d'accord avec Rabbi Elazar ben Azaria. Sa vache, elle sortait avec une lanière entre les cornes, comme on expliquait, soit pour bien la garder, soit pour qu'elle soit reconnaissable facilement. Mais sache que cet usage de Rabbi Elazar ben Azaria n'était pas accordé, agréé, recommandé par Chachamim. Plus précisément, l'agma en fait elle explique en fait Rabbi Elazar ben Azaria, il avait bien plus qu'une seule vache. On parle en fait de la vache de la voisine de Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, il voyait cette vache et il disait rien, peut-être pour garder des bons rapports de voisinage avec elle. Et du coup, l'agma a dit, ah, tu ne lui as pas fait un reproche alors que tu devais lui faire le reproche. On va t'écrire dans la Mishnah que c'était ta vache qui sortait dans le Shut Rabim avec cette corne, avec cette corde entre les cornes. Et en réalité, c'était pas la sienne, mais il fallait interdire, il fallait lui faire la réflexion à la voisine pour qu'elle arrête de le faire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslachakoto. Salam.